Vince Cassel. Jusqu'ici tout va bien, pourquoi on ressemble à elle alors qu'on vous échalelle. Sous le soleil ou sous la pluie, on rêve sans problème. Pour s'endormir un mouton, peut compter que sur lui-même. Demande à Vince Cassel, jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien, jusqu'ici tout va bien. J'ai fait 3 albums, j'ai tout fait mes albums chez moi. Du premier album Artisan du Bic, Les Histoires et Dragon Arrache. C'est moi qui m'enregistre sur Cubase, petit plugin. À la base d'un rappeur, c'est écrire quoi, tu vois. Je fais beaucoup de live, je fais, comme j'ai dit, je fais à peu près 40-50 dates par an, sans tourneur, sans maison disque. Après nous, voilà, on n'a pas eu de maison disque parce qu'on n'avait pas, personne nous demandait, personne ne cherchait à nous. Si, on avait quelques-unes, mais bon, c'était pas notre but, on va dire, de signer ou de voilà, je veux juste me faire plaisir, faire beaucoup de concerts déjà, dans des petites MJC, prison ou autre. Et je pense qu'en maison disque, on est plus réservé, tu dois faire un peu, des trucs un peu plus carrés, t'es moins abordable, du coup j'ai pas peur de ça, mais on veut garder quand même notre côté, se faire plaisir et ça reste de la musique. Et voilà, après on est sur le réseau aussi, puisqu'on crache pas dessus, voilà, on a besoin d'internet, de communiquer le truc, de partager, on a que ça aussi. Pour un indépendant qui veut essayer de partager les trucs. La vie aujourd'hui je rappe, tête de main je déraperai. Protéger mon armure, un chevalier du zodiaque. On va se donner jusqu'au max, jusqu'au max. Vas-y laisse place à l'espèce, aux guerriers de l'espace. Je sais pas c'est quoi franchement les chiffres exacts. Voilà, aujourd'hui on fait beaucoup de concerts. Les sorties il y a un mois. C'est la première fois que je me retrouve à faire de la promo un mois après l'album. Je faisais jamais ça avant. L'album sortait, c'était un peu fini quoi, tu vois, il m'appartenait plus le projet. Et je pense que sur cet album, on a plus travaillé le terrain avant. Ça veut dire que la promo, on l'a fait peut-être avant sans s'en rendre compte, c'est avec tous les lives. J'ai toujours dit voilà, cet album, je sais peut-être pas, tu vois, j'ai 31 ans, mais c'est peut-être le dernier, peut-être pas le dernier, on sait pas. Mais c'est voilà, c'est de la musique, j'ai pris le temps. Mais c'est le public, c'est mon public ou le public, tout simplement les auditeurs qui ont fait qu'on est rentré cinquième au top, toutes confondues. Après, voilà, il y a Lino, il y a des gens, il y a... Je savais pas tout simplement. Après, voilà, c'est les auditeurs qui m'ont remercié sur ce coup, voilà, tout simplement, qui déchirent. Voilà, c'est même pas moi qui ai fait que... C'est eux qui ont déchiré, tout simplement, pour aller un 19 du mois, sortir 12 balles à la FNAC lundi, y aller, qui va, voilà, faut être honnête, tu vois, il déchire tout simplement pour avoir supporté le truc. Musicast qui n'était pas au courant parce qu'on a l'habitude de ne pas vendre énormément de disques. Donc voilà, on ne vend pas beaucoup de disques. Au bout de 48 heures, on vend je ne sais pas combien. On se retrouve... voilà, c'est cool. Après, on ne visait pas haut, on visait un petit peu. Et ce qu'ils m'ont donné, c'est déjà suffisant et c'est énorme. Par la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Ceux qui partent ne reviennent pas comme Sangoku. Oui, j'avoue que l'on avance en repoussant les coups. À part la vie, on n'a rien au sommet de nos tours. Le combat continue, je joue fragile mon tour. Avec mes 7 boucles de freestyle, tu sens tout court. Nostalgique, non. Mais il manquait un peu de ça, je dirais. Voilà, il y a une grosse vague durant ces 4 dernières années. Un rap autre chose, qui est mise en avant aussi. Voilà, on veut peut-être pas trop réfléchir, on veut sortir en boîte, danser, pas se prendre la tête sur les paroles. On a trop de problèmes, on veut peut-être pas rentrer dans le détail. Mais pendant ces dernières années, on a évité les thèmes, on a évité de parler de choses peut-être qui nous donnent envie de sourire, pleurer, mais on n'a pas trop bloqué sur les paroles, même s'il y en a beaucoup qui se prennent la tête dans le rap. Et c'est vrai que sur ce projet, c'est assez mélancolique, ça te donne envie de réfléchir, ça te remet en question des fois. Et après, à des moments, ouais, ça te donne le smile. Et... c'est juste un album qui dit réveillez-vous, lève-toi, fais quelque chose. C'est Lucide qui est le plus gros kicker. J'essaie de traduire le Coran car c'est le dico du cœur. Et dans le dico de l'homme, je n'aime qu'authentique. L'instru est bon, c'est demi-portion donc authentique. Indépendant, tout comme ces valeurs qu'on exerce. C'est mon dico remix clan, sans gros mot ni politesse. La patience nous rattrape vite au fil du temps. Car on est tous des figurines dans un grand monde de figurants. Lucide, je l'ai invité par rapport aux interviews que j'ai vues sur YouTube. Qui parlait de l'ADA, je crois, et de demi-portion. Il avait dit. Qu'il aimait le morceau On m'a dit,
Et hop, sur Twitter, je me rappelle, j'ai envoyé un message privé, salut, ça va, il m'a répondu. On s'est échangé, ça te dit, je t'invite sur un morceau. Il m'a dit, moi je kiffe, on m'a dit. De là, je lui ai proposé mon dico, 4 mesures, pas de problème. Une semaine après, il m'envoie le truc. Et voilà, c'est un tueur, tout simplement. Je l'ai encore jamais vu. Et il a assuré, un gars vraiment hip-hop, qui m'a même demandé l'instru de On m'a dit pour faire un freestyle. Là. Big up à lui. Big up à D6. Qu'est-ce qu'elle fait tout seul devant son gros couscous? Est-ce ainsi que je dessine la vie? Train de lui perdre sa place dans un cinéma vide. Unique, donc chacun son rôle. Le souci c'est que ceux qui ont couleur veulent le bronze des autres. Je veux qu'on m'épaule. Pas pour me traître, ni être fait abonner. Car une aide mal donnée peut finir en pardonner. Un fauteuil pour deux, mieux que cinq pour dix. Je serai le premier levé. Voilà, je voyais par rapport aux auditeurs, ça serait bon un bon son avec Oxmo. Sur Twitter, on s'échangeait pas mal, on se retweetait, on parlait, cool. Du coup, j'ai dit pourquoi pas, je vais tenter pareil pour le dico. Je lui envoie un mail pour poser 4 mesures pour mon dico, que je trouvais qu'il pouvait trouver la rime vite fait, quoi. Et il me répond, non, moi je fais pas, je sais pas quoi, non, merci beaucoup, mais moi je fais pas un son 4 mesures. Si je fais un son avec toi, c'est un son en entier. On fait un vrai son, t'es chaud pour l'interrogation. Je suis devenu fou, je dis, t'es sérieux, ouais, sérieux, on fait un son. Je lui donne le thème, une chaise pour deux. Une semaine après, il m'envoie son couplet. Il me dit carrément, tu sais quoi, on va faire refrain, deuxième couplet, on va carrément faire troisième couplet. Et c'était lui qui m'a tout donné. Voilà, je lui donne juste le thème, il m'a mis dans le bain. Il a posé 4-5 prises différentes. Il m'a même demandé le lendemain si c'était bien. Tu vois, alors que c'est Oxmo Puccino, c'est un truc de fou, tout simplement. Il me demandait, t'es sûr que c'est bien? C'est pas que c'est bien, c'est, tu vois, c'est trop pour moi. Et voilà, Oxmo Puccino, comment c'est fait? Il m'a dit, j'en fais peu, des connexions. J'ai pas de problème, on va faire une belle. Encore un son malade. Non, j'ai rien d'un gangstar. Vas-y, planque le pétard, le reste on verra plus tard. Aïe, 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 la famille est grande. Mais sache que aïe, 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 mon silence est un message. Vas-y, roule un pétard, le reste on verra plus tard. À l'heure où l'argent facile arrive plus vite qu'une pizza. Pam, 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 non, ne joue pas avec les armes. Aïe, 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 ok, allez, une pour elle et une pour toi. Et si on en grille une, juste manière de se poser. J'ai vu que tout le monde jouait les durs.